Allô, allô, bonjour à tous et à toutes. Magique milliardaire christique, esclave du péché et des vices démoniaques, viens, il n'y a que seul Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner la vie, qui peut te délivrer, te délier de toutes tes forces négatives. La Bible dit, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La parole de Dieu n'est pas un jeu, c'est une réalité, elle est réelle. Écoute mon frère et soeur, toi qui es esclave de la cigarette, esclave de la drogue, esclave de l'alcool, viens, il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer de ces vices-là. Pour que ton âme soit heureuse, ton âme soit sauvée, frère. Écoute-moi, longtemps tu traînes dans les vices dominantes, tu es esclave du péché, tu es esclave de la masturbation, tu es esclave de la drogue, tu es esclave des choses ténébreuses. Invoque l'Éternel sincèrement, comme l'a dit dans sa parole, invoque-moi le jour de la détresse que je te répondrai. Invoque-le pour dire, Père, je veux arrêter la sirène, je veux arrêter la drogue, je veux arrêter tous ces vices démoniaques. Et tu peux prendre même un jour de jeûne, matin jusqu'à 18h, en demandant pardon à Dieu pour toutes ces fautes que tu as commises dans ta jeunesse et qui t'ont rendu esclave aujourd'hui, afin que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il vienne t'apporter la délivrance et la libération. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de donner la liberté de l'âme. C'est lui seul qui a le pouvoir de donner la joie de vivre. Frères et sœurs, il est temps que tu sois libéré de l'esclavage du péché. Il est temps que tu sois libéré afin que tu réussisses dans ta vie, afin que tu sois un homme de pointe, un homme de grâce et de victoire. Parce que quand tu es esclave du péché, tu ne peux pas évoluer. Quand tu es esclave de certains vices démoniaques, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Mais si tu es libéré de cet esclavage par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire que tes activités vont prospérer. Toi qui faisais des échecs partout, tes activités vont prendre de l'ampleur, vont prospérer, vont se propager. Toi qui échouais à l'école, tu vas avoir la réussite. Toi qui échouais dans les affaires, tes activités vont commencer à prendre la prospérité, vont commencer à prendre de l'ampleur. Frère, laisse-moi te dire que c'est Jésus-Christ qui peut te libérer de l'esclavage du péché. Parce qu'il a le pouvoir, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit, celui qui place sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus, il ne sera jamais déçu. Parce que ce que sa bouche a dit, l'Éternel des armées, sa main l'accomplit. Frère, invoque l'Éternel et dis le Seigneur, je vais être libéré des forces démoniaques, je vais être libéré du péché. Tu es possédé par un esprit de génie, un esprit qui te pousse à faire la bagarre avec qui que ce soit. Tu es coloré, tu es rancuné à cause de cet esprit démoniaque. Mais laisse-moi te dire que si tu invoques Jésus-Christ réellement, en esprit en vérité, il va te libérer de toutes ces chaînes. Tu es belle, tu es toute belle, mais tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont consacré à l'eau depuis ton enfance. Mais si tu prends des moments de jeûne et tu dis au Seigneur, libère-moi de sirène d'eau, de ce génie d'eau, Jésus-Christ de Nazareth, qui a le pouvoir puissant, va te libérer de ça. Tu es un garçon, et depuis longtemps, tu es mignon, tu as tout ce qu'il faut, l'argent, mais ton âme n'est pas en paix. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une âme sœur. Tu es lié à des esprits malins. Parce que les vices démoniaques, voilà, il y a beaucoup de vices. Aujourd'hui, tu as l'argent. Dès que tu as l'argent, tu traînes dans les maquis et les bars. Et l'argent même ne fait même pas une semaine, ça finit. Là, c'est un vice démoniaque. Là, c'est un esprit malin qui te pousse à le faire. Mais si tu rencontres Jésus-Christ réellement, tu le prends comme Seigneur et Sauveur personnel, ta vie va changer. Et ces personnes qui te minimisaient, qui te rejetaient, vont s'accrocher à toi. Pourquoi pas? Ils veulent un changement radical dans ta vie. Toi qui étais esclave de la drogue, on voit aujourd'hui que la lumière de Christ a franchi ton cœur. Et aujourd'hui, tu es devenu un exemple pour cette jeunesse avec qui tu fumais la drogue, tu consommais l'alcool, tu étais prisonnier vraiment des fausses choses. Mais Jésus, aujourd'hui, par la puissance de son pouvoir, t'a libéré, t'a délivré. Frère, il est temps. Esclave de la sorcellerie depuis l'enfance. Tu pratiques la sorcellerie sans le savoir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Esclave de la colère, de la rancune, de la haine. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Esclave des vices démoniaques. C'est Jésus-Christ, le pouvoir de Christ qui peut te sauver. Frère, donne ta vie réellement à Jésus-Christ de Nazareth et expérimente le pouvoir de sa délivrance. Ta vie sera un changement total et tu seras libéré de tout ce qui est fornication, de tout ce qui est masturbation, de tout ce qui est accro au sexe. Jésus peut te libérer de ça. Donne ta vie à Jésus et chante ce cantique. Chante chaque fois des cantiques de l'Éternel des armées parce que c'est lui qui te délivre. Il est l'Éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'Éternel puissant. Son sang a coulé sur la croix pour que nous ayons la vie. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends des jours de jeûne et invoque l'Éternel. Il va te libérer, il va te sauver de la captivité. Au nom de Jésus-Christ.